Salut à tous, c'est Kira, on est de retour sur PVZ2 pour continuer le fameux mode briseur de vase. La dernière fois, on avait terminé du coup le pack défi pirate, on a obtenu voilà 5000 pièces d'or, 5000 pièces d'or. On va commencer ensemble le pack défi de l'Ouest, du coup allons-y. Après, je sais pas s'il y a encore d'autres levels, j'espère. Ce serait cool en vrai s'il y a encore d'autres levels qui se débloquent, si on peut faire chaque monde comme ça, ce serait vraiment sympa. Donc c'est parti pour le pack défi de l'Ouest. Ok, alors, je déteste les wagons. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime pas les wagons. Mais là, on va devoir faire avec, malheureusement. Bon, let's go. Alors, il y aura d'autres défis encore après, parce que, vous avez vu, on n'a pas débloqué le dernier pouvoir. Donc, il y aura forcément d'autres défis. C'est parti. Bon, bah ça, on sait où déjà le mettre. Ouais, bah on va forcément le mettre ici. Hein. On n'a pas trop de choix. Hop. Ok. Lui, normalement, je vais pouvoir le tuer. Il doit pas être très solide. Tiens. Tiens, ils sont vraiment pas très solides. Hein. Voilà, on va se mettre ça. Donc là, on a une noix, on peut se la garder pour l'instant. Oh là 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 là, ils nous donnent tellement de trucs. Oh là là, ils sont trop sympas là. Bah écoutez, la noix, on va la mettre ici. Le Firepeter, je vais le mettre là. Et ça, bah du coup, je sais pas trop où je vais le mettre pour l'instant. En fait, faudrait que... Bon, je vais le placer là. Mais on va voir ce qui va se passer ici. Est-ce que lui, on peut pas le tuer rapidement? Allez, go! Allez, on peut le tuer rapidement. Oui! Parfait, comme ça, on garde cette plante. Excellent. Là, est-ce qu'on peut pas faire pareil? Cette plante, je vais la poser là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va la perdre, celle-là. Je fais un peu le con, là. Hein. Je fais un peu le con, mais on va dire que c'est le début. C'est le début, c'est normal. On va le laisser passer tranquillou. Voilà, et là, je vais pouvoir le tuer. Je pense qu'on a assez de dégâts, logiquement, oui. Ce sera largement bon. Ok, parfait. Là, on va essayer de détruire cela, du coup. Hop, là, on a une noix. Ou lui. Alors, lui, il va falloir le bloquer. On va pas avoir le choix. Parce que pour le tuer, sinon... Ah merde, mais attendez, attendez, il y en a d'autres là. Oh, je fais n'importe quoi. Oh, j'actionne tout. On va les tuer. Ça, normalement, ça les tue. Ça les one-shot ou pas? Je me rappelle plus. On va regarder. Je sais plus exactement si ça les one-shot. Si ça les one-shot. Là, pareil. Lui, est-ce qu'il va mourir? Putain, il va pas mourir, lui. Il me faut d'autres choses. On va mettre une noix là. Oh là là là, c'est chaud. Ah mais là j'ai carrément perdu, regardez tout ce qu'il y a. Regardez tout ce qu'il y a encore. En fait fallait mieux utiliser les Firepeter. Les Firepeter faut les utiliser au moment du coup où il y a beaucoup de zombies. Et j'ai très mal joué sur ça. J'ai très mal joué sur ça. Très bien, bon. Ok, bon on nous donne déjà deux noix. Bon les noix je vais les placer directement. On va les placer le plus loin possible. Voilà je vais les placer ici. Bon. Je prends toujours les plantes vertes au début, enfin les vases verts. Hop. Lui, est-ce qu'on peut le tuer, lui? Lui, je pense qu'on peut le tuer. Voilà, on va le laisser passer. C'est long, c'est long. Voilà, et là, on le tue. Tiens, 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 bam, bim, boum, et t'es mort. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, on va du coup activer... Voilà, celui-là. Pareil, lui, on peut le tuer. On va activer, je pense, les lignes où il y a des noix, déjà. Comme ça, on se les fait tranquillement. Il faut surtout garder les Firepeter contre ceux avec leur bouclier en métal, là. Voilà. On va refaire pareil. Ici, on a un Firepeter. Voilà, c'est un peu chiant parce qu'on sait pas trop ce qu'il peut y avoir sur les autres lignes. Donc, je vais le placer là. Oh là là, merde, il y a lui. Alors, est-ce que je vais réussir à le tuer? Ça, le problème, c'est que... Est-ce que je vais réussir à le tuer avant qu'il détruise ma noix? Et bah ça je suis pas sûr. Bah je vais en mettre un deuxième. Hein. Je vais mettre une deuxième. Je vais être obligé. Parce que je pense que je le tue pas sinon. Voilà on va faire ça. Parce que sinon il détruit ma noix. Ok. Ok. Là on va faire pareil. Bon lui il va mourir rapidement. Tiens. Très bien. Maintenant ceux-là. Oh là là il nous donne encore vraiment des... Tant mieux hein. Pas se plaindre. Lui je vais le placer là. Là on a une noix, excellent. On va le placer en haut. Et lui, on va le tuer rapidement. Alors tu boufferas pas ma plante hein, par contre. Merci. Bon on avance plutôt bien là je trouve. Lui on va le tuer. Bon on a un Firepeter, on va le placer en haut. Lui, il va mourir. Oh merde c'est une... Bon. Ça va être un peu plus compliqué. Bon, il va détruire cette plante, forcément. On n'a pas trop de choix. On va le laisser passer.
Et faudrait activer tout. Faudrait activer les vases en même temps. Je pense que le faillot péteur pour que tout le monde prenne des dégâts. Ok, on a deux faillots péteurs. Je vais en placer un ici. Normalement, ils vont mourir. Normalement. S'ils meurent pas, par contre, là, ça va être compliqué. J'ai un engrais après. Allez. Allez, mourir. Lui aussi va mourir. Non. Putain, il va pas mourir. Je vais activer tout ça. Y a pas de noix. J'active tout. Ah là là, il va pas mourir. Je pensais qu'il allait crever. Bon, je vais activer un... On va se déplacer comme ça sur toutes les lignes après. Ah, je pense que c'est mort. Dommage, on y était presque en vrai. On y était presque. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de zombies avec des protections. Allez, on le dégomme. Alors, j'espère qu'il va pas détruire la noix. J'aimerais bien la garder, la noix. Allez. Ok. Bon, on va tuer lui. En vrai, je trouve qu'on est plutôt bien pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'on n'a pas du tout encore gagné. Il y a encore beaucoup de risques. Encore beaucoup de risques. Voilà. Lui va mourir. Alors, je pense qu'on peut s'occuper là des plantes, des zombies en haut. Voilà, ici, lui, il va mourir aussi. Il va largement mourir. Voilà. Ici, on a un engrais. Nice. On va le placer. Où est-ce que je peux le placer? On va le placer là. Lui va mourir aussi. On est bien là. Ah putain, c'est un gros. Alors lui par contre, ça va être compliqué. On va peut-être avoir besoin d'un faillot péteur. On va peut-être avoir besoin d'un faillot péteur. C'est détruit pas trop rapidement la noix. Quoique, non, ça va être bon. Non, ça va être bon en fait. Ça va être bon. Il va quand même détruire la noix, mais on va le tuer. Ah, même pas. Tiens, il va même pas avoir le temps de détruire la noix. Trop bien. Trop bien. Hop, on a un autre faillot péteur que je vais placer. J'en ai aucune idée. Je vais actionner ça. Je pense que je vais le placer là. En vrai, j'aurais peut-être pas dû. Ah, merde. Ah, j'ai fait une grosse erreur là. On va peut-être pas réussir à le tuer du coup. J'ai tellement mal placé le faillot péteur. Oh, je m'en veux tellement. Bon, je vais peut-être utiliser 3 sorts d'argent là du coup. Ah non, je vais perdre sur ça réellement. Oh non, je vais être obligé d'utiliser 3 sorts d'argent. Je suis désolé. On va être obligé de le stun un court instant. On va l'avoir au moins. Assurez-moi. Je leur stun. Je suis obligé. J'ai déjà utilisé 600. Mais après, on gagne des récompenses à la fin. Bon, là, par contre, j'ai pas intérêt de perdre. J'ai clairement pas intérêt de perdre. Si je perds, je suis nul. Voilà. J'ai clairement pas intérêt de perdre. Là, on va faire d'abord ça. Lui. Alors, faudrait le tuer avant qu'il touche le faillot péteur. Ce serait bien. Bon, on va actionner les deux. On a du coup une noix. Voilà, du coup, il va forcément toucher le faillot péteur. Il va l'actionner. Bon, c'est pas grave, il va mourir. Hop. Merde. On va poser la noix derrière. Alors là, ça va être le plus compliqué. Lui, on va le tuer. Allez, normalement, il actionne pas le faillot péteur. On va le tuer avant. Très bien. Voilà, il faut tout actionner. Hein. Alors, on va le laisser passer. Allez, go. Ils sont morts. C'est bon. On a quand même utilisé 600 de gold. Hein. On a quand même utilisé 600 de gold. Et c'est que le premier level. C'est vraiment que le premier level. En fait, il y a des moments où je me dis, oh, j'ai pas envie de tout recommencer. Du coup, je suis en mode, allez, j'utilise un peu de gold. On gagne combien chaque level? On en gagne, je crois qu'on en gagne 200. Un truc comme ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Enfin, j'ai dit que j'essaye à chaque fois. Mais après, ça veut pas dire que je vais pas forcément en utiliser. Oula, le petit wagon. C'est quoi ce petit wagon là? Ce mini wagon. Il est tout petit, regardez le wagon. Hop. On a du pic. Ok. On a encore du pic. Et on a... Alors, est-ce que je place celui-là ici? J'en ai aucune idée en fait. Je sais pas ce qu'il y a comme, comme zombie. Non, on va pas faire ça là. Du coup, je vais faire ça plutôt. Hop. Alors, eux, est-ce qu'on va réussir à les tuer? Ah, ok, il avait pas de... Ok, sa protection était enlevée direct. Donc ça, c'est cool. Qu'on pourra tuer normalement lui derrière. On va attendre. J'aime beaucoup trop ce mode. J'aime beaucoup trop ce mode. Voilà. Ok, je vais refaire pareil. On a ça.
Oh les poules. Oh non bordel les poules. Je pense que ça va le faire. Ok ça le fait quand même. J'avoue que j'ai eu peur. Oh non il y a des poules quoi. Oh une pastèque. On va le placer ici hein. Oh, je vais clairement la mettre là. Oh non. Oh. Oh j'ai tellement géré. Oh j'ai tellement géré. J'ai bien fait de changer un moment de... Ah, meurs quand même. Oh là 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 là. Alors il y a beaucoup de poules. Ça c'est un peu le problème. Ça c'est un peu le gros problème de la, du truc là. Énormément de poules. Lui, est-ce que je vais pouvoir le tuer? On va voir hein. Oh là là, on a un... On va mettre du coup un deuxième. Je vais mettre un deuxième double pistolet poids parce que lui je suis pas sûr de le tuer. En vrai. Je préfère assurer la chose. On a encore l'engrais. Lui, est-ce que je vais pouvoir le tuer? Normalement, il va mourir, je pense, avec le pic. Ouais, il va mourir avec le pic, de toute façon. Ah, il va même mourir avant. Bon, parfait. Hop. On a du firepower, on va les placer ici, parce que je sais pas du tout ce qu'on peut avoir en haut. Là, on a encore... on va le mettre ici. Oula. Alors, ça, par contre... Alors, je vais tout actionner. Bon, j'aurais peut-être pas dû tout actionner maintenant. On va claquer un... Ah là là, ça va pas passer, là. Va falloir du pic ici. On va tout actionner maintenant. Le firepower. Est-ce que je peux mettre un firepower? On va mettre un firepower. On va mettre des pics là. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Allez, meurt. Il meurt lui. Normalement. Ah, il meurt pas. Ah oh, merde. Je pensais qu'il allait mourir. Ah, je pensais vraiment que ça allait le tuer. Ah oh, là 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 là. C'est le premier essai. La, 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 la. Je vais la connaître par cœur la musique. Hop. Oh non, pas lui. Oh non. Oh non, pourquoi vous nous mettez ça directement? Pourquoi vous nous faites ça? On va mettre ça du coup. Alors là, on est dans la... là, on est dans la merde. Hein. Là, je vous le dis, on est dans la... Mais pourquoi ils nous mettent tout ça, là? Ils nous mettent que des trucs trop forts. Ils nous mettent que des trucs trop forts. Hop. On va peut-être réussir quand même, mais c'est chaud, là. Et non, ils nous mettent que des trucs trop forts. Ici, on va mettre des pics. Et je vais utiliser l'engrais là, hein. On va être obligé. Est-ce qu'on va réussir quand même à... Oh, putain, on va quand même réussir. Lui, il va mourir. Oh là, on va quand même réussir, j'y crois pas. Oh, par contre, là, on a perdu. Hein. Enfin, je vois pas comment on peut réussir ici, là. Ça, on va mettre là, du coup, pour tuer les poulets qui sont de ce côté-là. Ok. On va tout actionner, hein. On va voir ce qu'on nous donne. Hein. On a plus d'engrais, donc c'est mort. Ça, c'est avec de la chance, on arrive à tuer lui, mais... Ah, c'est chaud, il fait trop de dégâts. Enfin, il est trop solide. Hop, on va changer. C'est de leur bloquer. Oh, quoique. Oh, merde. Ah, dommage. On aurait pu la jouer sur ça, là. Oh, j'ai trop envie de... Ah, là, je suis désolé, je crois que je vais claquer encore de l'argent. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Je veux réussir ce level-là. Je vais être obligé d'en claquer encore, je crois. Je veux pas tout recommencer. Ah, par contre, tu le avant, s'il te plaît. Hein. Ouais, tu le avant, merci. Encore 600 pièces d'or, du coup. Eh bien, écoutez, on va utiliser 600 pièces d'or à chaque level. On va dire moins 200 à chaque fois parce qu'on en récupère. Donc, en tout, on a utilisé, du coup, 800 pièces d'or. Il nous reste encore un level et on regagne 5000. Normalement, on regagne 5000, je pense. On va voir. Ces levels sont quand même assez compliqués, je trouve. Quoi? Pourquoi? Bon bah écoutez, on va directement prendre ça. 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 Ça, je vais le mettre ici. Hop. Ça, je vais mettre là. Lui, on va le geler. Et je vais mettre un gel ici. Oh la vache. Bah attendez, lui, on peut le tuer de cette façon. Énormément de vases, là. On va attendre hein, qu'il meure. Qu'il meure dans l'atroce souffrance. Très bien. Ah, ce qui est bien, c'est que j'ai un wagon là avec une avec un pistolet poids ici, donc je peux m'occuper. Alors là, ça, je vais la placer là, du coup, pour l'instant. J'ai une mine, très bien. Oh merde. Ah ouais. Oh non, c'est dégueulasse de faire ça, par contre. Oh non, c'est dégueulasse de faire ça. Vous pouvez pas faire ça. Claquer de l'engrais, alors, du coup. Hop. Non, vous pouvez pas faire ça. Non. Oh, j'active une mine ici. Hop, on fait ça. Ça. Non.
Meurs. Meurs toi. Bon, on a perdu. C'est pas grave. On n'a pas eu de chance là. Hein. On n'a pas eu de chance. Non, on n'a pas eu de chance. On peut se le dire, on n'a pas eu de chance. Alors là, franchement, on a ce qu'il faut pour se défendre. On a clairement ce qu'il faut pour se défendre. Du coup, elle, je vais la placer là. On a vraiment, vraiment ce qu'il faut en termes de plantes. Hein. On n'a rien à dire. Oh non! Il va pas faire appel à un taureau, lui? Oh non! Oh non, lui, il est chiant. Alors, on va le laisser passer. Bon, il va me détruire une des plantes, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il fait, déjà? Je me rappelle plus exactement. Ah non, il balance juste une... Ah, il faut le détruire, après. Ah non, il est en train de bouffer la plante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser passer. Tant pis. Je vais le laisser passer et je vais le tuer, du coup, avec ce pistopois. Allez, vas-y, passe tranquillement. On a un gel au bout, si vraiment. Ah, c'est dommage. J'ai quand même perdu, du coup, un des pistopois. Il va mourir, au moins, lui, là. Il est hyper solide. Bon, c'est le seul taureau qu'il y a dans la... sur la carte, mais... Ok, on l'a gelé. On va arriver à le tuer, quand même, avec le gel. Ok, j'ai vraiment eu peur. Hein. Sur le coup, je me suis dit, si on le tue pas avec le gel, bah, on va jamais y arriver, en fait. Hop. Bon, lui, normalement, on le tue. Voilà, en plus, il avait rien. Il avait pas de protection. Hop, toi, on te tue. Quoique, c'est chaud. Normalement, si. Ça va arriver juste au bout, mais normalement, on le tue. Il est hyper dur, ce level, hein, vraiment. Alors, j'ai toujours pas l'engrais, d'ailleurs. Allez, vas-y, meurs. Voilà. Ok. Hop. Alors là, j'ai petite idée. Est-ce qu'on le mettrait pas là? Oh, merde. Oh, putain, là, ça va être chaud. Il me faut quelque chose. Bon, là, j'ai tout activé. Comme un débile. Il me faut un gel. Ok, je l'ai gelé. Et normalement, la mine... Allez, prépare-toi, la mine. Allez, la mine. Allez, la mine. Mais pourquoi elle met autant de temps, la mine? J'ai pas compris. Bon, là, du coup, on va utiliser... Attendez, j'ai pas compris, là. Non, mais la mine, elle devrait pas mettre autant de temps. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on commence mieux, mais je sais pas du tout si on va réussir, donc... À chaque fois, j'ai l'impression qu'on commence beaucoup mieux. Mais c'est qu'une impression, donc je suis clairement pas sûr. Hop. Oh là là, non, j'aime pas cela. Là, par exemple, on est dans la merde. Là, pour le coup, on est dans la merde parce qu'on sait pas du tout comment je vais faire pour l'arrêter, lui. Ah, on a une mine. Bon, on a beaucoup de chance, on a une mine. Est-ce que la mine va sortir avant? Alors, si je peux détruire... Si je peux en détruire deux en même temps... Allez, la mine! Mais elle fait quoi, la mine? Voilà, là, c'est bien, on en a détruit deux en même temps. Voilà, ça, c'est cool. Parce que l'objectif, c'est d'en détruire aussi plusieurs en même temps. Alors là, je vais le placer ici. Toi, tu vas mourir. Ah, il reste plus grand monde, hein. Toi, tu vas mourir, normalement. Alors, lui, on le tue. Ok, c'est bon, en plus, il avait rien derrière. Hop! Lui, on le tue. On va rajouter un gel ici. C'est chaud, hein. C'est assez chaud. Voilà. Bon, il reste plus grand-chose. Lui. Ok. Là. Très bien, on a une mine. Excellent. Bah, la mine, je vais la placer... Alors, je vais la garder, je pense. Je pense que je vais la garder. Voilà. Ok. La mine, je vais la poser sur le wagon. Comme ça, je peux la mettre où je veux. Normalement, lui, on le tue. Là, il va juste balancer ton truc. Ah, vas-y, balance ton machin. Et là, il va commencer à avancer. Mais normalement, on va le tuer. On va le laisser passer. Ensuite, on va le tuer, du coup, avec ce pistopois. Bon, là, il va le détruire. Allez, vas-y, avance. Avance, avance, avance. On a un gel en plus au bout, donc parfait. Allez, on le détruit. Il nous reste encore 3 mines sur le terrain, donc on a largement ce qu'il faut pour détruire, je pense, les autres zombies. Si on arrive bien à gérer. On va le tuer au moins, lui. Bon, au pire, j'ai une mine, si vraiment il passe. On a encore le gel. Voilà. Putain, mais il est super solide. Ah bah enfin. Ok, on va se faire du coup celui-là. Oh, on en a un autre. Alors ça, c'est trop bien. On va le placer ici. Et là, du coup, on va essayer de détruire ce qu'il y a là. On a un engrais en plus encore. Voilà, on a largement gagné. Hein. Lui, en plus, voilà, il a pas de... Il a rien, il a aucune protection. Hop, on déclenche lui. Lui, il va péter. Parfait, on met ça là. Et là, on a gagné. Là, je vois clairement pas comment on peut perdre. Attendez, je vais... Oh, je vais ouvrir les vases vraiment en même temps.
Comme ça, on va pouvoir utiliser du coup les mines. Non, mais là, on a encore l'engrais, donc on a largement gagné. Ok, bon, ils ont tout mis par contre. Hein. Ils ont tout mis là-bas. Hein. On va attendre les deux mines. On a les deux mines, donc on est même pas obligé d'utiliser l'engrais. Bam! Et voilà! Trop bien, on n'a pas utilisé de gold pour le dernier level. On a réussi à garder l'engrais, je sais même pas comment on a fait. Trop bien, excellent. Et voilà, et les 4000 pièces d'or. Eh bien écoutez, très compliqué. Hein. Ce level, en vrai, il était quand même assez hardcore. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai trouvé hardcore. Je l'ai trouvé vraiment hardcore. Débloquer des bonus à utiliser dans le niveau sans fin. Ah ben non, après, c'est fini. Ah, dommage, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment tous les mondes. Terminer la vague 15 dans le niveau sans fin pour débloquer. On peut débloquer, en fait, transfert de vase dans le niveau sans fin. Eh bien écoutez, la prochaine fois, je vous propose de faire quand même le niveau sans fin. Pour voir jusqu'à où on peut aller. Ça peut être intéressant. Mais dommage qu'il n'y ait pas d'autres levels. Ah, j'aurais bien kiffé avoir d'autres levels. Bon, bah écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment cool, j'ai assez kiffé. Ça nous a permis en plus de récupérer des pièces d'or, donc c'est super cool. La prochaine fois, on essaiera le niveau sans fin du coup, on essaiera d'aller le plus loin possible. Et voilà, merci à tous, portez-vous bien, salut.